N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche d'actification. Elle m'a sorti actification, frère. Yo tout le monde, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, Udo, tu connais les bails. Ça y est, elle rigole déjà. Bonjour tout le monde. Ça va, tu vas bien? C'est moi le retour. Le moment d'after, je vais bien. Ça fait trois épisodes, là, un peu. Ouais, c'est la troisième fois qu'il m'entraîne dans son aventure. Vous vous souvenez, les amis, premier épisode, on avait fait simplement avec le Google Home, qui est juste à côté de moi. Le deuxième épisode, on avait fait avec Fortnite. Elle avait kiffé Fortnite en vrai. Ouais. Lâche Paul bleu. Lâche pose bleu, tu connais. Lâche pose bleu. Alors les amis, tout simplement pour ce troisième épisode, on va faire un truc de fou. On va faire un test de pureté. Tu sais ce que c'est, moi? Ouais. C'est quoi? Test de pureté sur toi? Non, sur toi. Ah, sur moi? Ouais, sur toi. Tout simplement sur ma mère. Donc c'est un truc de fou. C'est un truc de taré, les gars. On est. C'est pur, toi? Ouais. T'es sûr? Oui. Avant, on verra bien. On va faire un épisode 4 sur la chaîne YouTube. Alors, je vous explique un petit peu. Alors, pour l'épisode 4, ouais, on va tout simplement essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. T'es fou? Ça va pas, la tête. Mais non, mais ça va être marrant. Ouais, bah, à tous les coups, c'est moi qui vais me piquer parce que. Mais non, coups, t'inquiète. On mettra du caoutchouc devant un gauche à droite, t'inquiète. Sur cette vidéo, on va faire un objectif de like. Alors, dis-moi un petit peu l'objectif de like qui va être sur cette vidéo. Ah, allez, 200. 200 likes? Ouais. Ok les gars, 200 likes, on fait l'épisode 4 avec ma mère où on essaie de trouver une aiguille dans une botte de foin. Alors, comme vous avez pu comprendre, on fait le test de pureté. Il y a tout simplement l'écran juste en dessous. De toute façon, vous verrez tout parce que j'ai bien organisé tout ça pour que vous puissiez voir les trucs, bien entendu. On va prendre le test de pureté, le premier, tout simplement, qui est sur aussi. Donc, test de pureté bouddha.pl. Pourquoi bouddha, je sais pas, mais tout va bien. On va voir en fait si je connais moi-même bien ma mère ou si en fait au final, je vais trouver des trucs what the fuck. Est-ce que t'es prête? Je suis prête, Lolo. Vas-y. As-tu déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui. Et c'était pourquoi? Il s'était cassé la gueule. Ok, oui, let's go. As-tu embrassé déjà quelqu'un? Ouais. C'était quoi ton premier baiser? Oufti. Oh là. Oh, je m'en souviens pas. Tu m'en souviens pas? T'as quel âge? T'es plus moi, hein. Ah oui. Peut-être, attends. 14. As-tu déjà... De ça va? T'es-t-il déjà arrivé de ne pas te laver pendant plus de 4 jours, ou 3 jours, 2 jours, plus de 24 heures, ou tu te laves tous les jours? Oh non, moi je me lave tous les jours. As-tu déjà bu de l'alcool? Un petit peu. Oui. As-tu déjà été ivre? Moi? Jamais. Oh, bah, non, c'est... Ouais, c'est... As-tu déjà participé à des jeux de bois à boire? Ouais. Ouais? C'était quoi comme jeu à boire? C'était le roi qui boit. C'est quoi? Dis-moi, je connais pas. Oh, le roi qui boit, tu joues au... Je ne sais plus comment ça va, c'est vieux. On joue aux cartes et puis on joue au roi qui boit. Hein? Mais alors, si tu perds, eh bien, c'est celui qui a gagné qui choisit ce que tu vas boire. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu du roi qui boit? Parce que moi, j'ai jamais joué de ma vie. As-tu déjà vomi à cause de l'alcool? Moi? Grand oui! Avez-vous déjà vomi sur quelqu'un d'autre? Ah non. Non. Ça, jamais. Et sur toi? Sur moi non plus. Tu t'es jamais vomi sur toi? Jamais. Non mais en faute partout, oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Oui. J'avais même cassé le plat du chat. Ah bon? C'était qui? Mon cas, Mickey? Mon cas. Pauvre. Avez-vous déjà drogué vos parents? Non. Je sais pas, moi, il m'a rien. Peut-être qu'on a déjà mis de la poudre à éternuer là, dans le tabac, parce que papa il ramassait le tabac et alors après il faisait scrotch, scrotch, scrotch. Avez-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte en force? Moi? Ouais. Non, on ne m'a jamais foutu dehors. Okay. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine? Presque tous les jours, 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois ou moins souvent ou jamais? Ben en fait, je ne bois qu'un verre à la fois. Tous les jours quoi? Mais j'ai pas dit ça. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Mais non. Allez, une fois par semaine. Une fois par semaine, toi? Je mettrais plutôt 4 fois, non? 4 fois, allez. Êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar? Ça va. Je suis tombé en bas du tabouret, j'ai plus rien vu. Ah, ok. Ouais, t'avais mon frère qui me foutait des claques dans la gueule pour me réveiller. Ah ben. Et puis je me suis dit, ben je l'ai pas reconnu. T'es qui, toi? Ouais, c'est ça. J'avais pas bu. T'es qui, toi? J'avais pas bu. Trop bizarre. Avez-vous déjà fait un coma éthylique? Oui, hein. Non. Quelle a été votre plus longue période bourrée? 48 heures ou plus, 24 heures durant, toute une nuit, 4 heures au moins ou je ne bois jamais? 4 heures au moins. Avez-vous déjà été à l'église volontairement? Vraiment pour aller à messe, quoi, du coup, même non. Pas... Okay. Non, non. Jamais. Avez-vous déjà fait de la prison? Non. Alors, plus de 6 mois. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui. Avez-vous déjà eu un rapport... Joker. Avez-vous déjà fait un... Joker. Avez-vous déjà transmis une MST? Non, je suis pur. Avez-vous déjà eu des relations nana sans utilisation de moyens de contraception? Bah...
Avez-vous déjà vu, vous avez utilisé des moyens de contraception? Bah oui. Oui, sinon je serais pas là. Bah, oui, forcément. Que je suis bête. Avez-vous déjà eu avec plus d'une personne en même temps? Non, déjà une. À vous. Avez-vous déjà l'expérience sadomasochiste? Avez-vous déjà utilisé des... Non. Ok. Avez-vous déjà endormi ou évanoui pendant... Non. Bah non. Jamais endormi? Non. Non. Mais l'autre, tu es... Évanoui? Non. Mais non, vas-y, explique-moi. Un ex, à un moment donné, il s'est mis à ronfler. J'ai pas quoi te faire dans là que tu dors. Avez-vous déjà dormi dans la toilette? Non. Avez-vous des relations avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux ou plus jeune que vous? Des fans. Bah, donc non. Ouais, j'avoue, du coup, oui. Mais non, mais rien. Ah oui, du coup. Ah. Avez-vous hésité avant de répondre à la question près de temps? Bah oui. Avez-vous déjà mangé votre vomi? Bah non. Ah. Avez-vous déjà simulé un orgasme? Non. T'as dit non, t'as eu dur, hein. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Sûr? Il pleut. Avez-vous déjà triché pendant l'examen? Ouais. Avez-vous déjà fait boire votre urine à quelqu'un d'autre? T'es sûr? Mais, tu rigoles. Non, arrête. Avez-vous déjà volé une amie? Une amie, non. Mais? Mon père, oui. Ah! T'avais volé quoi? Bah, on lui avait volé toutes ses vitamines. Vitamines? Ouais. Okay. C'était comme du riz soufflé jaune, comme ça. What? Avez-vous déjà uriné dessus quand vous étiez ivre? Oh, non! Oui! Moi! Oh, oui! Moi! Ah! Oui! Cette fois-là! Oui, cette fois-là! Ouais, je m'en souvenais plus, j'étais là! Ah ouais, ouais. C'est sûr! Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? La dernière fois, c'était quand? Ah oui, sur le trottoir! Avez-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? N'importe quoi, ça, hein! Oui ou non? Bah non, hein, allez là! Avez-vous un tatouage? Ah non, mais j'aimerais bien! Ah, tu voudrais faire quoi? Je sais pas! Tu sais pas non plus? Non, mais j'aimerais bien! Avez-vous répondu honnêtement aux questions? Tu le jures en tant qu'avocat? C'est ça, ouais, c'est ça! Je suis normal! Vous êtes normal! Alors, pour le sexe, tu es pur! Je le savais! Pour l'alcool, t'es infâme! T'as moins 44. Ouais, 44? Ouais. Bah ouais, mais bon! Pour la drogue, tu es normal. Ah, enfin. Pour l'hygiène, t'es pur. Ah ouais, tu le savais. Pour la morale, t'es à moins 4, t'es un normal. Et le karma, t'es à moins 7. Hein. Moins quoi? 44. Et alors? Et le sexe, 4. Et alors? Pour les 200 likes, ce sera donc la vidéo qu'on a dit juste avant. Et si vous mettez 300 likes sur cette vidéo, ce sera moi qui fera le test de pureté. Et ce sera ma mère qui fera mes questions. Oh oui. Donc les amis, 300 likes sur cette vidéo, on fait le test de pureté à l'envers. C'est moi qui le fais et c'est ma maman qui tout simplement va calculer par rapport aux questions. Et à 200 likes, on fait bien sûr la vidéo avec l'aiguille dans une botte de foin. Ça va être incroyable. Du coup, il doit faire quoi? Et n'oubliez pas, les gars, lâche pause bleu. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres défis que je pourrais faire avec ma maman dans les prochaines vidéos, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche d'activation. Elle m'a sorti activation, frère. Les gars, c'est les notifications, bien sûr, les notifications. Activez dessus, activez la cloche. J'en peux plus d'elle. Mesdames et messieurs, la cloche de notification, activez-la au maximum. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires aussi simplement pour le test de pureté, si vous êtes normal ou pur ou tout ce que tu veux. Ou si t'es infâme comme ma maman avec l'alcool. Je suis infâme. Mais je suis tellement pure à côté. Les amis, prenez soin de vous. À la prochaine. Je me casse, c'est bon, ciao.